Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire voir les tags pour le concours participatif. Donc j'en ai reçu plusieurs et du coup, je vais les ouvrir avec vous et vous attribuer un numéro pour le tirage au sort. Alors, hop. Regardez les enveloppes sur le côté. Donc, c'est hop. C'est Sylvie Pouli-Gérard. Alors, il est magnifique. Hop, je vais mettre de côté. Regardez-moi ça. Tout en douceur. Hein. Rêver, partager, savourer. Il est superbe. Merci beaucoup, Sylvie. Il est magnifique. Hein. Donc, tu auras le numéro. Hop, j'étais arrivé au numéro 10. Hein. Hop, donc 10. Sylvie. Voilà. Et tu m'as mis du papier de soie tamponné. C'est trop gentil. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Avec aucun de tampons que j'ai. Peut-être à l'envers. Oui, peut-être que c'est comme ça. Voilà, c'est un mieux. Il est trop beau. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vais te retrouver dans mes... Dans mes arts journaux, hein. Hop. Donc, je remets tout ensemble. Je lis en même temps, hein. Elle me dit que elle commence à pouvoir lâcher de plus en plus grâce à mes vidéos. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie. Si je peux aider, avec plaisir. Ensuite, Catherine. Hop. Donc, Catherine Loué. Regardez-moi ça. Les brochures, ça. Je ne me trompe pas. C'est la vie qui est l'atelier du monde. Très jolie. Ah oui. C'est peut-être des brochures. C'est super bon. Il va être super mon mini art journal. Avec une petite carte. Allez. Allez, vous dites souvent pareil, hein. Le lâcher prise et ne pas réfléchir. Hein. Eh bien, il faut oser, hein. Il faut y aller, hein. Merci beaucoup, Catherine. Alors, tu auras le numéro 11. Hop. Où je l'ai mis là tout à l'heure? Ah, il est là. Une petite carte de côté. Voilà. Ensuite, c'est Laetitia. Ah oui, là, c'est Laetitia et Jean-Baptiste. Du coup, elle me dit voilà, que son mari a décidé de se mettre à l'art journal et que du coup, il participe également au concours. Donc ça, c'est le tag de Laetitia. Rêver, créer, partager. C'est joli, hein? Vous avez chacun votre pain se ressemble, hein? C'est super. Donc ça, c'est Laetitia. Donc, Laetitia, tu auras le numéro 12.
Peut-être que je le marque dessus, hein, ce sera mieux. Voilà. Et du coup, eh ben, son mari a participé également. Bon, j'espère qu'il ne te prend pas tout. C'est JB Manier, Jean-Baptiste Manier sur Insta. J'espère qu'il ne te prend pas tout ton matériel, hein, Laetitia. C'est super sympa. C'est le premier tag homme que j'ai. Bah écoute, moi je trouve sur les fonds, tu te débrouilles très bien, Jean-Baptiste. Hein? C'est super. Écoute, c'est toujours plaisir de pouvoir partager aussi avec son conjoint. Hein? Donc, bah, Jean-Baptiste, tu auras le numéro 13. Et bienvenue à toi sur ma chaîne. Et oui, c'est ouvert aussi aux hommes, hein. C'est pas ouvert que aux femmes. Avec sa petite carte. Hein. Jolie cette poupette. Hein. Hop. Ensuite, ah oui, alors là, c'est Lourdes Isabelle. Alors, elle m'a envoyé une big enveloppe. Hein. Le facteur, il a dû se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est magnifique, ton enveloppe. Magnifique. Elle va se retrouver dans mes dames journaux. Hein. Elle va être un petit bout par-ci par-là, mais je vais la récupérer. Hein, avec un beau papillon. Elle est magnifique. Hop. Alors, Isabelle. Elle me met un petit mot. Je vais essayer. Alors, elle m'a mis petit cadeau. Petit papier, on va regarder ça après. On va déjà regarder le tag. Oui, c'est comme ça. Voilà. On va mettre à l'endroit, ça sera mieux, hein, quand même. Beaucoup de texture, comme sur... joli, hein, avec cet œil-là. Petit pochoir. C'est du liège. Vous débrouillez pas mal, les filles, hein, franchement. De tous les tags que j'ai reçus jusqu'à maintenant, je ne vois pas où vous dites que ayez confiance en vous. Donc, Laetitia, tu auras le numéro, Laetitia, Isabelle, pardon, tu auras le numéro 14. Et du coup, elle m'a mis une belle petite carte. Et des papiers, c'est trop gentil. Ah, vous savez que j'aime tout ça. Trop joli cela. Oh. C'est trop gentil. Ah oui, c'est des transferts à gel presse. Hein. Et là aussi. Merci beaucoup, Isabelle, hein, c'est super gentil. Je vais pouvoir les remplir. Là, c'est avec du café, oui, je fais beaucoup aussi avec du café. Hein. Hop. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Hein. Avec ta petite carte. Hein. Hop. J'ai pas mis le téléphone en pause. Donc. Le tag, il est là-bas, c'est bon. Je mets l'enveloppe là. Ensuite, on a Axel. Hein. C'est Cunélie Trappe. Hein. Il est trop beau. Ce petit... Regardez-moi ça. J'adore les images vintage. Il est magnifique avec les petites plumes. Dis donc. Il est super beau, Axel. Vous devez la connaître sur les réseaux sociaux, c'est Cunélie. Il est trop beau. Eh bien, Axel, tu auras le numéro 15. Hop. Merci. En plus, sur les enveloppes, il y a plein de timbres. Moi, j'adore les timbres. Du coup, je vais les récupérer.
Ici, c'est Nathalie. Hop. Je le mets là. Une petite carte. Hop. Et son tag. Je vais le mettre à la droite, ce sera mieux, hein. Que c'est beau. Ça, c'est des découpes, hein. C'est petit, hein, c'est minutieux, hein. Toujours suivre ses rêves. C'est vrai. Même si on prend le temps pour le faire, toujours suivre ses rêves. C'est très joli, hein. Merci beaucoup, Nathalie. Hein. C'est vrai, j'aurais vraiment tous les styles différents. Hein. J'adore. J'adore. Tu auras le numéro 16. Hop. Il est superbe. Merci beaucoup, Nathalie. Et ta petite carte? Ah oui, elle c'est ça, elle a pas touché depuis peu. Ben, tu te débrouilles bien. Hein? Franchement, c'est un bon début déjà. Hop. Ensuite, on a Jocelyne Poulain. Hop. Avec une belle carte postale. Elle est jolie, hein. Elle va aussi se retrouver dans mes carnets. Eh bien, écoute, tu me dis que tu apprends beaucoup en regardant mes vidéos sur les techniques. Ben, écoute, c'est super. Elle est très jolie cette carte postale. Hop. Ah, là, je vois du rose. Rêve ta vie en couleur. Ah, ça, c'est des petites étiquettes que vous pouvez avoir en boutique à télécharger gratuitement. Très joli, ça, c'est un pochoir, hein. Oh là là, c'est très très fin. Je sais pas si j'arrive bien. Très joli, hein. Vos fonds, vous vous débrouillez super bien. Franchement. Vous n'avez même pas débrouillé, en plus. Franchement, ils sont top à hein, vos fonds. Ouais. Donc, ce pochoir-là, il doit être super minutieux, avec les petites ballerines, là. Il est super beau. Jocelyne, tu auras... Alors, j'arrivais au numéro 17. C'est fixe, vous avez la marque. Hop. Jocelyne. Ah, la petite carte, là. Ensuite, ça, c'est... Hop. C'est Corinne. Corinne Collin. Alors, le tag, la petite carte. Oh, que c'est beau. Avec du... C'est joli, hein. Moi, je fais jamais de cartes. Hein. Ouais, ce papier là, on va pouvoir le récupérer. Alors, Corinne, que c'est beau, dis donc. T'as un esprit enneigé là, avec le manga. C'est de la pâte à craquelée, super, hein. Avec de la... des paillettes, hein. Pas si... J'ai bougé le trépied en plus. Il est super. Ouais, super beau, hein. Alors ça, c'est Corinne. Corinne Scrap sur les réseaux. Donc, tu auras le numéro 18. Corinne. Corinne. Hop. Et ta petite carte, elle est trop belle. Et tu me dis...
qu'elle regarde mes vidéos et que les mangas, qu'elle a découvert les mangas avec Christelle. Et oui, sur Instagram, Christelle Bill, elle fait aussi beaucoup avec les mangas. J'adore les mangas aussi. Donc ça, hop, c'est ici, que je me mélange pas. Hop. L'enveloppe là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Du papier musique. Hop, on va regarder ça après. On va voir le tag. Hop, il est là. C'est Fabienne. J'avais contre jour, je ne voyais pas. Fabienne de Gaillard. Alors, attends. Hop, je vais juste l'enlever pour le moment. Ça. Regardez. Confiance, inspiration, rencontre, aimer. Un chien et un chat. Des petits papillons. Bah écoute, il est super, très joli ce jaune moutarde. Avec les petites pattes. Il est très beau, hein. Donc hop, je remets le petit tag. Je crois que je le colle, sinon je vais plus savoir après. Mon crayon. Alors, Fabienne, tu auras le numéro 19. Hop, je vais marquer en dessous, cas où, plus de tag. Fabienne Gaillard. Hop, avec le petit. Hein. Et ta petite carte, très jolie. L'embossage? Ah oui. Écoute, c'est super gentil, du petit timbre comme ça, il y a de la dentelle, pour mettre sur les lèvres presque, c'est bien aussi la dentelle. Elle est jolie aussi celle-là. Vous voyez, ça fait des pochoirs. Du papier et du papier musique. C'est joli, hein. Merci beaucoup, Fabienne. Hop. On met ça avec la carte. Hop. Ah, ça. Sylvie Balzac. Hop. Du papier de soie noire. Ça, je n'ai jamais vu. On va pouvoir faire des traces avec de la peinture blanche. Ça va faire super. Hop. On le garde. Hop, Sylvie Bazuc, pardon, je croyais que c'était sur un dos, j'ai cru que c'était un A. Hop. Regardez. Plein de textures, il est super joli. Hein. Avec ses petites froufrous là. Hop. Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. C'est pas faux. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein. La poupée russe. Très joli, hein. Donc, j'ai arrivé au numéro 20. Hop, tu auras le numéro 20, Sylvie. Super. Et ton petit mot. On va remettre, hop, ça je vais le garder. Ensuite, on a Josie. Josie qui m'a mis aussi du papier de soie. Vous me gâtez, hein? Vous me régalez avec votre papier de soie. Hop, j'essaie de pas faire voir l'adresse. Alors, écoute, il est super, hein? Dieu dit ça aussi. Ah, vos fonds, franchement, ils sont super.
Merci beaucoup, José. Ah, pas loin de... T'es pas très loin de chez moi. Dans le sud. Donc, José, tu auras le numéro 21. Hop. Hop. Merci beaucoup. Et tu m'as mis du papier de soie. Super. Comme que j'ai vu aussi tout à l'heure celui-là. Trop joli. Merci beaucoup, Josie. Je crois que vous avez compris que j'aimais bien le papier de soie. C'est pas faux. Vous voyez les boîtes que j'ai derrière, hein, remplies. Mon Dieu. Hop. Alors, voici mon tag. Même s'il n'est pas à la hauteur des réalisations. Mais il n'y a pas de hauteur, hein. Tout le monde fait avec sa créativité, il n'y a pas de soucis. Ayez confiance en vous. Hop. Ensuite, on a Françoise. Là, mon stylo. Françoise. C'est bien emballé, hein. Dis donc. Vous êtes plus minutieux que moi. Alors, Kalata Françoise. Il y a de la matière, hein. Partir à l'aventure. Ouais, c'est sympa ça, le papillon. On dirait son sac à dos. Pour partir à l'aventure. L'aventure vous attend. Ben écoute, il est super, hein. Il est super. Ah oui, de la dentelle, hein. Donc, François, tu auras le numéro 22. Voilà. Françoise. Et ta petite carte. Elle est ouverte comme ça. Regardez. Découvrir le monde. Alors, tu me dis... Ah, pareil, hein. T'as beaucoup de mal avec ce fameux lâcher prise, hein, qu'elle se pose trop de questions. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller. Le but, voilà, c'est de ne pas réfléchir. Et pour pas réfléchir, on prend très peu de matériel autour de soi, comme ça, on n'est pas embrouillé. Je vous l'ai déjà dit, hein. Donc le tag. Sortez peu de choses et comme ça, vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez à côté de vous. Ça aide beaucoup, hein. Ensuite, Christine Soulignac. Hop. Regardez. C'est déjà l'hiver. C'est joli, hein. C'est très original. C'est rigolo, ces petits personnages. Regardez-moi ça avec ce cerf. C'est très beau. Merci beaucoup, Christine. J'adore. J'adore. Alors, Christine, tu auras le numéro 23. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, tu as une belle écriture. Alors, elle me dit pas tout à fait mix média pour son tag. Bah si, écoute, c'est du mix média, hein. C'est pas touillé.
Écoute, en plus, si tu t'es amusé à le faire, c'est super. C'est du mix média, hein. Tu as de l'encre, tu as de la texture, hein. Tu as du papier. Ça rentre dans le mix média, hein. T'inquiète pas, hein. Ici, tu as encore du papier. Tu as utilisé plusieurs techniques différentes. C'est super. Hop. Et le dernier pour aujourd'hui, tu peux aller au courrier encore aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine vidéo. Alors, hop, j'ai pas vu. C'est Rebecca Ribier. Regardez, de la couleur. C'est joli, hein. Donc, ce filet par-dessus, là, de coller, c'est trop beau. Merci beaucoup, Rebecca. Regardez ça. Ça me parle, celui-là. Déjà vu. C'est super. Rebecca, tu auras le numéro 24. Rebecca. Hop. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu me dis? Bah pareil, à le lâcher prise encore, hein, très compliqué. Ah oui, elle a pris mon atelier art journal ou comment voyager à l'intérieur de sa créativité. Et elle ne l'a pas encore commencé de peur de faire mal. Mais non, tu peux pas faire mal. C'est justement pour évoluer que tu as voulu prendre cet atelier. Donc, tu as le carnet qui a beaucoup de pages que tu as reçues avec l'atelier. Donc, n'hésite pas, tâche-le, salis-le. Il est fait pour ça. Il faut apprendre. Il faut, voilà. C'est en faisant. Et c'est en faisant aussi plein de tâches partout, en se testant, que le lâcher-prise va arriver au fur et à mesure. Hein. Ayez confiance en vous. Vous fermez les yeux, vous prenez, vous mettez. Voilà. Hop, comme ça. Premier pas du lâcher prise. On regarde pas, on y met. Et ça peut être une façon de faire, hein, pour pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout pour ce que j'ai reçu. On en est à 24 participations. Hein, je suis super contente. Il va être énorme, mon mini art journal à la fin. Donc voilà. On est le combien aujourd'hui? On est le 10. Il vous reste pas beaucoup de temps pour participer, hein. N'oubliez pas, jusqu'au 6 décembre pour participer. Dans le colis, hein, comme je vous avais dit, il y aura pas mal de choses. Bon, il y aura un carnet unique. Là, je viens de sortir des kits, donc je mettrai un kit aussi dedans et d'autres choses. Voilà, je laisse un peu de surprise pour vous participer. Oh là, on a dépassé pas mal les 1000 abonnés. Je crois que je suis à 1050. Donc merci beaucoup. C'est super encourageant. Donc voilà. Je remettrai sûrement une vidéo dans la journée. Je ne sais plus c'est sur laquelle. Sur quoi j'ai. Ah oui, sur les encres à alcool là dans la journée. Je me suis. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais vraiment approfondir les encres à alcool pour les travailler dans l'art journal, hein, et non sur papier à part. Donc, je vous mets ça dans la journée ou demain matin. Tout dépend si c'est long à charger ou pas. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'attends vos tags avec impatience. Celles qui les ont envoyées depuis un moment et que vous n'avez pas encore vu la vidéo, ben faites-moi un petit message. Parce que voilà, je suis allée au courrier hier le 9. Aujourd'hui, je ne suis pas encore allée. Mais de toute façon, il n'est pas passé encore en même temps. Donc, je ne peux pas y aller. Voilà, et ben allez, une bonne journée sous la pluie aujourd'hui pour ma part. Mais c'est bien aussi de temps en temps. À bientôt, au revoir. Hein.